Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, un mignol action. Alors, il y a des choses que j'ai achetées. Ben, c'est en trois fois. J'ai acheté en trois fois, c'est trois articles. Donc, il y a des choses que j'avais achetées la semaine dernière, des choses que j'ai achetées dans la semaine et un article que j'ai acheté ce week-end. Voilà. Je suis toujours essoufflée, mais bon. Donc j'ai pas voulu faire une vidéo par article, j'ai dit je vais attendre. Alors la première chose, alors il y a deux choses, ce sont des feutres et une nouveauté. Je pense que les feutres ce sont des nouveautés aussi, mais bon. Alors la première chose, ce sont des marqueurs comme ceci. Hop, 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 viens par ici, toi. Voilà, ce sont ces marqueurs-là. Donc, j'ai trouvé que 4 lots, mais je pense qu'il n'y a que 4 lots. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, dites-le moi. Pardon. Alors, ce sont des marqueurs. Alors, il faut d'abord les secouer, il faut appuyer et après on écrit. Voilà. Alors, je cherche en français. Alors, métallique plus couleur, meilleur effet sur le papier. Alors, j'aime bien en français, mais alors c'est écrit comme. Alors, métallique plus couleur, meilleur effet sur le papier aquarelle. La traduction est approximative. Hein. Alors, non visible sur le papier noir et stocké horizontalement. Alors, moi j'avais racheté des pots pour les mettre sur mes étagères. Je vous referai une vidéo dans la semaine peut-être pour vous remontrer comment j'ai fini d'installer mon bureau de coloriage. Donc je ne pourrais pas les mettre dans mes pots puisque horizontalement c'est dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pensé à un truc pour mes feutres. Faut que je vois. Alors. Donc, donc moi j'ai 4 paquets, mais je pense qu'il n'y en a que 4. Je m'avance pas. Alors, le premier, vert, bleu, jaune. Le deuxième, c'est un rouge. Oui, je pense que c'est un rouge, un rose et un beige rosé. Voilà. Le troisième, noir, violet et bleu. Et le dernier, orange, un jaune orangé et un rose. Voilà. Alors, les prix, je vais regarder. Je vous les remettrai en incrustation. C'est pas facile à dire, hein? Incrustation dans la vidéo. Parce que je sais plus où j'ai foutu mon ticket. Comme c'est pas, je ne les ai pas achetés hier ou quoi. Mon ticket, j'en sais rien où il est. J'essaie de regarder mon sac à main. Si je ne le retrouve pas, on verra. Je regarderai sur le site hein, s'il y a les prix. Et je suis en train de voir que les couleurs étaient marquées en bas. Mais bon, en anglais. Hein. Voilà. Donc, celui que je disais jaune-orangé, non, c'est yellow. Donc, c'est jaune. Jaune, pink, donc rose, orange, orange. Black, donc noir, purple, donc violet, cobalt, donc bon, c'est un bleu, mais bleu cobalt. Blossom, alors blossom, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, moi je le vois rouge-rose. Red, alors red, normalement c'est rouge. Et là, moi, le bouchon est rose. Et gray, gray, c'est vert. Le bouchon est gris. Ah non, gray c'est gris. Oui, non, 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 je me trompe. Gray c'est gris. Oui, donc c'est bon. Lime, c'est jaune, d'accord. Turquoise, donc là, le bleu, là, c'est un turquoise. Et green, c'est bien vert. Voilà, ok. Alors, je vais peut-être pas tous les ouvrir. Alors, par contre, j'ai pas mis mon pied. J'étais fainéante. Voilà, je vous le dis franchement.
J'avais pas envie ici, mais j'ai pas monté mon pied. Alors par contre, je vais chercher un papier. Papier, bon allez, on va prendre une feuille de cardstock, c'est rien. Changer du stock. Allez, hop. Il servira de brouillon. Ah tiens, j'avais du tamponnage dans celle-là. Des fois, on retrouve des trucs qu'on sait même pas qu'on a fait. Alors, on va ouvrir celui-ci. Viens chez moi, toi. Allez, on va commencer par le bleu. Alors, il faut secouer. Secouer. Donc, je secoue, hein. C'est comme l'orangina, hein. Il faut secouer avant de s'en servir. Voilà, je pense que c'est assez. Et taper. Donc, vous tapez sur la pointe. Voilà. Oui, c'est joli, ça. Alors, attendez, je vais essayer de bouger la caméra pour que essayer de vous faire voir. Hop, je vais la tenir. Voilà. Alors, ça, ah, d'accord. Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, vous n'allez pas bien voir. Alors, on va essayer d'écrire mon nom. Non, vous n'allez pas bien voir comme ça. Alors, comme ça, peut-être. Voilà, je crois que vous voyez mieux. Alors, à l'intérieur, ça fait argenté. Et le tour est bleu. J'ai du mal à vous montrer. Si je me mets trop près, ça va flouter. Ça va flouter. Ah, là, peut-être. Et alors, l'intérieur est argenté et c'est l'extérieur qui est bleu. Et c'est rigolo. Voilà. Donc, on va essayer. Hop, hop, hop. Désolée, hein, je bouge, mais. Voyez? Et l'extérieur fait la couleur. Bon, c'est difficile à voir. Je vous ferai des photos, je vais refaire des. Je ferai des. Alors, je vous tourne, n'ayez pas le mal de mer. Coucou, je suis là. Je vais faire des petits gribouillis, je ferai des photos et j'espère que vous verrez. Alors, est-ce que là, vous voyez mieux? Bof. Bof, bof, bof. On verra avec les photos. Donc voilà. Alors, on va. En essayer un autre pour voir ce que ça donne. Je vais pas tous les ouvrir du coup. On secoue, je secoue et je fais venir l'encre en appuyant. Voilà. Ben, bon. Ouais, vert et bleu, c'est kiff-kiff et bourricot, hein. Bof. Je vois pas de grande différence, hein. Bof. Du coup, je vais essayer le jaune. Ça fait pas. Je sais pas. Ouais, le jaune. Sont pas transcendants, hein, je vous le dis. Ouais. Bon, du coup, je vais quand même ouvrir un autre. Alors, je vous montre la différence. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mais bon, là, c'est le jaune. Attendez, là, c'est le jaune. Là, c'est le vert.
Là. Ah! Où je suis? Non, je suis là. Là, c'est le bleu. Ouais. Bon. Alors, voici un rouge. Le rouge, normalement, ça doit péter comme couleur. Là, le rouge a l'air d'être rouge. Oui. Mais bon, je... Voilà. Oui. C'est pas des feutres qui me... Je pensais pas que ça faisait ça. Enfin bon, on trouvera bien une utilisation, mais ça me c'est pas des faits pour faire du coloriage, ça c'est sûr. Bon, on va, je vais dire, je donne sur 5, je vais donner 2 2 et demi. Voilà, bon, c'est bien pour faire de l'écriture. Voilà. Est-ce que vous les avez achetés? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Moi, ça ne me transcende pas. Je vois pas ce que je vais en faire. Parce que du coloriage, voilà, on peut rien en faire en coloriage. Hein, alors. Faire comme si je faisais un coloriage. Voilà. Oui, si je veux faire un coloriage, ça fait rien du tout, hein, ça. Non, j'ai que de l'argenté avec une bordure rouge. Ouais, bon. Bof, bof, bof. Pas top. Alors. Donc pour moi c'est plutôt comme ça parce que je vois pas ce que je vais en faire à part faire de l'écriture. Et en plus ça passe à travers. Pourtant c'est du cardstock, hein. Donc ça passe bien à travers. Et à travers là vous voyez les couleurs. Bof. Alors 2,5, je vais dire que je donne bon, 2 sur 5. Ensuite, ça je crois que c'est une nouveauté. Les twin markers, comme ceci. Donc j'en ai 2. 4. Et 6. Là, j'ai la collection complète. Alors, ce sont des feutres. C'est pas des feutres à alcool, hein, je me trompe pas. À base d'eau, voilà. C'est des feutres à base d'eau. Ils ont deux pointes. Voilà. Donc, vous avez deux pointes. Une pointe. Alors, je cherche. Voilà. La pointe dot. La dot. Dot. Goutte. qui fait 6 mm et la fine qui fait 0,5. Voilà. Alors, j'ai les bleus, la série de bleus comme ça. J'ai une série multicolore. Alors, il y a du jaune, du rouge, rose, du bleu et du noir. Voilà. J'ai une série de verts. Comme ceci. Une série de orange et rouge et jaune. Des pastels. Voilà, ça c'est super d'avoir des pastels. C'est très rare qu'on en a. Et là, une série de roses
plus un rouge Bordeaux. Voilà. Donc ça, les pastels, c'est super d'en avoir, ça, parce que c'est vraiment très rare d'en avoir. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, pareil, je ne vais pas tous les ouvrir. Alors, est-ce qu'ils disent qu'il faut les mettre allongés? Alors, oh là là, comment ils ont écrit? Marqueur double pointe avec une pointe fine de 0,5 mm d'un côté et une pointe ronde flexible de l'autre qui permet de dessiner des points de diverses tailles selon la pression appliquée sur la pointe du stylet. Ça, c'est super. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai prévu une vidéo. Je n'en dis pas plus. Voilà. Donc, est-ce qu'il nous... Comment... Non, une... Ah si, ranger à l'horizontale. Voilà. Donc, il faut les ranger comme ceci. Donc là, j'ai prévu une trousse. Donc, eux, ils iront dans ma trousse. Donc, ceux-là vont me servir. Alors, je vais voir ce que ça donne, mais ils vont me servir pour ma prochaine vidéo. Donc là, j'ai pris le rouge. Alors, on va commencer par la pointe fine. Voilà ce que donne la pointe fine. Alors, je vais écrire toujours mon prénom. Hein. Voilà ce que donne la pointe fine. On va faire les traits. Voilà la pointe fine. Super, pour faire les petits traits, pour faire de l'écriture. Voilà, le rouge est très joli. Et maintenant, hop, la pointe d'hôte, comme ils appellent ça, la grosse pointe. Voilà, ils disent, pouf, voyez, elle permet de faire des gros points, des petits points, mais bon, je pense qu'elle permet aussi, si vous la prenez sur le côté, vous pouvez faire des traits fins, et niveau coloriage, bon. Faire du couleur. Bon là j'ai fait un gribouillis hein, donc voilà, mais cela ne transperce pas. Là vous voyez, il n'y a rien du tout, donc c'est déjà bien, ça ne transperce pas. Donc là c'est bien marqué twin marker. Voilà, donc cela a l'air de me plaire. Alors, là, je crois me rappeler, mais c'est pareil, je vais vous remettre le prix en bas. Je crois qu'ils étaient à 1,49 € pour les 4. Mais je m'avance pas, je crois. Bon, attendez, on va essayer une autre couleur quand même. On va avancer. On va prendre dans les bleus pour voir ce que ça donne, niveau couleur seulement. Mais je vous ferai les vidéos. Puisque j'ai ma petite idée de vidéo. Bon, tu viens ou tu viens pas? Ah, quand même! Alors, le bleu, j'ai pris celui-là. Comment? Pour écrire ou faire des traits, il va bien, il n'accroche pas. Vous voyez, derrière, il n'y a rien. Hein. Voilà. Le bleu. Ça, il accroche pas le papier. Voilà, j'arrive à dire mes mots, mais bon. Et le gros. Voilà, je vais faire les traits aussi. Toujours, il n'y a rien derrière. Voilà.
Super, ça je suis contente. Ça, je suis contente. Là, 5 sur 5. Voilà, les autres, berk. Berk, 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 berk. Non, les autres, ça n'aide pas. Je ne sais pas ce que j'en fais, mais bon, j'en ferai bien quelque chose, hein, je trouverai. Mais bon. Donc, cela, les twin markers, c'est OK. Voilà. C'est un top, les autres c'est un flop. Alors, ça c'était pour les feutres. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, bon, je sais dessiner. Vous avez peut-être déjà vu, je parle pas du coloriage, mais vraiment du dessin. Je ne sais plus si je vous ai déjà, si je vous ai déjà fait une vidéo de dessin. Attendez, je vais ouvrir le truc parce qu'il n'est pas ouvert. Il y a la fois. Mais pour celles qui ne savent pas dessiner, par exemple, vous allez me dire, bah alors pourquoi tu as acheté ça si tu sais dessiner? Ça peut leur servir, ou même que je sais dessiner, si j'ai envie de reproduire une image qui me plaît beaucoup, et j'ai pas envie de me casser la tête à le redessiner, par exemple. Voilà, ils ont sorti des blocs de papier carbone. Voilà, papier carbone. Alors pour les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, hein. Il n'y a que nous, les vieilles, qui savons ce que c'est le papier carbone. Surtout celles qui, comme moi, ont appris qui ont appris leur métier de secrétaire, parce que j'ai commencé à apprendre mon premier métier, ça a été d'apprendre le métier de secrétaire. Sur les vraies machines à écrire, donc pas les ordinateurs, j'ai appris moi sur les machines à écrire. Et donc, quand il fallait faire en plusieurs exemplaires, on mettait un carbone. Oui, je sais, c'était du temps des dinosaures. Vous n'avez pas connu ça, les jeunes. Mais nous, on tapait nos lettres dans les bureaux, on mettait une feuille, un carbone et une deuxième feuille. Voilà, pour garder en double dans les dossiers du bureau la lettre que l'on envoyait à un client, à ceci, cela. Donc oui, du temps des dinosaures que nous sommes, nous mettions un carbone. Voilà, quand on tapait nos lettres à la machine à écrire. Oui, c'était dans le temps, on avait des machines à écrire. Voilà. Et oui, le temps des dinosaures, ça ne me rajeunit pas. Mais j'ai appris là-dessus. Après, j'ai connu les ordinateurs après. Les gros ordinateurs avec le gros écran. Voilà, ça non plus, vous n'avez pas connu les jeunes. Vous n'avez connu que les ordinateurs avec les écrans plats. Moi, j'ai connu les gros. Oui, je suis vieille, hein, désolée, mais on rigole pas, on ne se moque pas des dinosaures. Bon, allez. Donc, ils ont sorti les carbones pour que vous puissiez reproduire. Alors, le carbone, c'est ça, c'est une feuille noire. Alors, je ne sais pas si celle-là. Bon. Alors, j'ai pas encore essayé, hein. Alors, il y a un sens, hein, les filles. Donc. Voilà. Ça, c'est le sens qu'il faudra mettre. Vous mettrez votre dessin. Bon, vous allez enlever, hein, il faut le décrocher. Hein. Le dessin que vous voulez reproduire, il faudra le mettre. Alors, comment ils ont expliqué ça, eux? Que je vois s'ils ne se sont pas trompés. Non, c'est bien. Ils ne se sont pas trompés. Vous décrochez une feuille. Le dessin que vous voulez reproduire. Donc, l'image originale. Originelle, originale, oui, originale. Vous la mettez dessus. Et hop. Et en dessous de ça, vous mettrez votre feuille blanche. Voilà, sur laquelle vous voulez faire votre dessin. Alors ça, je vais vous faire une petite vidéo. Là, je vais la faire en bas.
Et puis je vais vous l'incruster dans cette vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que là, comme je n'ai pas le pied, ça va être compliqué. Voilà, donc vous voyez, là, ici, vous avez le dessin original du petit zèbre. Et elle s'est servie donc du papier carbone. Et sur le papier blanc qu'elle a utilisé, il y a donc le zèbre qui s'est reproduit. Donc, si vous voulez, sur le carbone, il y a une encre dessus. Voilà. Par contre, là, je ne sais pas si normalement celle-ci, vous ne pouvez plus l'utiliser, sauf par exemple si vous reste des petits bouts, que vous voulez reproduire une petite image. Bon, vous pouvez récupérer les petits bouts pour ne pas gaspiller. Donc, ne jetez pas la feuille entièrement tout de suite. Gardez-les de côté. Et quand vous avez une petite fleur, une petite étoile, ou je sais pas, des petits motifs à refaire, prenez dans les feuilles que vous avez déjà utilisées et vous en récupérez. Comme là, vous voyez, le zèbre, ici, il y a encore du papier. Non, là, je ne sais pas marcher à l'envers. Hein. Vous voyez, là, il y a du papier qu'on peut encore utiliser. Donc, ne jetez pas votre feuille une fois qu'elle est utilisée. Il y a toujours des petits endroits où vous pourrez faire des petits motifs pour ne pas perdre. Hein. On fait de l'anti-gaspille. Voilà. Donc, ça, par contre, j'ai le prix sous les yeux. C'était pas cher du tout. C'est 99 centimes. Moi, j'en ai pris deux paquets. Il y a 20 feuilles dedans. Je peux deux paquets comme ça, que s'il y en a plus, je sais que j'en ai. Bon, c'est un truc que je ne vais pas utiliser tout le temps. Hein. C'est juste pour m'amuser un peu. Alors, bon, là, c'est écrit en anglais. Je cherche le français, comme d'habitude. Où est-ce qu'ils me l'ont mis, le français? Ah, voilà. Donc, une marque papier de couverture graphite. Utilisez ce papier calque graphite pour tracer vos images ou dessins sur diverses surfaces, telles que le bois, le papier, le carton. Donc, celui-là, vous voyez, vous pouvez l'utiliser vraiment sur tout. Et ensuite, vous pouvez vous servir pour mettre en couleur votre dessin. Voilà. Alors, je ne sais pas. Là, il y a une image où elle met en couleur avec de la peinture, enfin, de l'aquarelle. À voir si ça fonctionne bien. J'essaierai. Si avec l'aquarelle, ça marche. Donc, vous faites ça avec un crayon gris ou stylo-bille, vous pouvez peut-être. Mais bon, le crayon gris doit aller. Mais bon, le stylo-bille aussi, hein, vous voyez là, elle le fait avec un stylo-bille. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça, je vais, là, juste après, ne partez pas tout de suite, je vais vous incruster donc une vidéo où je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, vous verrez un dinosaure se servir d'une feuille carbone. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout ne partez pas tout de suite, hein, parce que là je vous fais le tuto pour vous servir de ces feuilles carbone. Mais je vous fais par contre le bisou maintenant. Mais restez bien jusqu'à la fin pour voir comment fonctionnent ces feuilles de carbone. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire comme d'habitude sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Vous savez que je réponds à tous les commentaires, même si c'est juste pour vous faire un petit bonjour, un petit bisou. Mais je réponds à tous les commentaires pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire. J'y tiens énormément. Donc voilà. Et donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Donc dites-moi aussi pour les feutres, hein, surtout ceux-là. Vous, ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve, pour moi, c'est moyen, parce que du coup, je ne peux pas m'en servir pour le coloriage. Cela, moi, c'est top, puisque là, justement, la vidéo que j'ai en tête, ils vont me servir. Et maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous laisse regarder la suite, le tuto pour se servir des feuilles carbone. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Ne partez pas, il y a la suite. Bisous, bisous!